Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 190 et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai ma perceuse à colonne qui est ici, mais à moins de me mettre à genoux, impossible de l'utiliser. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une caisse pour surélever ma perceuse à colonne. Allez, c'est parti! La première étape est bien sûr de prendre quelques mesures. Et pour atteindre la hauteur idéale, il me manque environ 60 cm. Et une largeur de 30 et une profondeur de 50. J'ai donc les dimensions de ma future boîte. Par chance, il me reste deux morceaux de contreplaqué d'épaisseur différente mais qui font 80 par 60 cm. Exactement la taille qu'il me faut pour ma future boîte. Je prépare donc ma scie sur table pour faire une coupe à 30 cm pour avoir deux morceaux de 50 et 30 cm de large et 60 de long. Première coupe, et là, gros fail. Je coupe ma plaque de contreplaqué dans le mauvais sens. Pas grave, je réparerai ma bêtise après, et je recoupe tout dans le bon sens, cette fois-ci. Pour faire les côtés de ma boîte, et aussi réparer ma bêtise, je vais utiliser les restes de tasseaux de deux autres projets, que je vais fixer sur la hauteur de ma future boîte. Je marque donc et découpe mes deux morceaux de tasseau avant de les mettre en place. Et ici, pour renforcer la structure, je vais utiliser de la colle et des vis. Je préperce, chanfreine et enfonce mes vis dans la structure. Et je répète le même principe pour l'autre côté, colle, perçage, vissage, etc. Pour rendre la manutention de ma future boîte plus pratique, j'ai décidé de lui faire des poignées. Donc je perce deux trous à la fraise à bois sur chaque côté de ma boîte. Et je trace et découpe entre chaque trou à la scie sauteuse pour créer ma super poignée. La scie sauteuse est un outil souvent critiqué par beaucoup, pour son imprécision en particulier, mais elle peut rendre de bien grands services pour des découpes rapides et impossibles à faire autrement. Pour casser les angles de mes poignées, je décide de donner un petit coup de défonceuse, mais je n'ai pas vraiment la fraise appropriée. J'ai acheté deux sets à bas prix vraiment merdiques, et aucune fraise ne correspond vraiment à mes besoins. Mais je tente quand même, avec un résultat médiocre, mais qui ici, sera plus que suffisant. Et on va pouvoir passer à l'assemblage de la structure principale de la boîte. Toujours avec le même principe, colle et vis, et en utilisant des serre-joints pour maintenir la structure en place le temps que je puisse visser le tout. Rien de bien super original ici, vous m'avez vu faire ça des millions de fois, je préperce, je chanfreine et j'enfonce mes vis dans le tasseau. Et voilà, la structure principale est finie, et j'avoue, les poignées sont bien pratiques pour bouger cette grosse boîte à droite à gauche.
Cette boîte va avoir un fond ouvert. Mais pour pouvoir y mettre du poids, en l'occurrence ici des sacs de sable, je vais monter une petite structure. Deux morceaux de tasseau fixés sur les côtés, une planche dans le sens de la longueur, et ça devrait être plus que suffisant. Maintenant, on va s'attaquer au couvercle, avec ce morceau de bois que j'ai récupéré dans les encombrants. Ce matin, aucune idée de ce que c'est, mais c'est du bois massif. Je trace donc la longueur et je mets en place le chariot sur ma scie circulaire sur table pour couper tout ça. Je découpe donc mon morceau principal ainsi que les deux morceaux qui vont venir faire le plateau de mon support de perceuse à colonne. Là aussi, je vais utiliser des restes de tasseau pour fixer le couvercle à la structure principale. Par contre, ici, je vais seulement visser le plateau à la structure, pour pouvoir éventuellement mettre ou vider des trucs dans le support de la perceuse. Quelques morceaux du plateau dépassent un peu, donc je décide de l'attaquer à la scie japonaise. Mais c'est long, chiant et plutôt fatigant. Donc je change d'arme et décide de tenter avec la scie sauteuse. Et ça marche nickel, bon c'est pas du grand art, mais ça fait carrément bien le job. Dernière étape, dévisser mon plateau, le remplir avec pas loin de 40 kg de sable et refermer mon nouveau pied. Pour enfin pouvoir poser ma perceuse dans sa nouvelle maison et je l'espère à la bonne hauteur. Bon, c'est pas ultra beau, mais c'est supra solide, ultra stable, et c'est pile poil à la bonne hauteur pour moi. Et surtout, ça m'a coûté quasiment rien. Donc moi je dis, c'est du gros win. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne un truc plutôt pas trop mal, dis donc. Première coupe, premier fail. J'ai coupé le morceau dans le mauvais sens. C'est pas dramatique, j'ai réussi à trouver un moyen de bidouiller ça, j'ai réussi à me débrouiller. Surtout, j'ai réussi à mettre tout le sable qui avant était sur mon ancienne pseudo-table slash établie pour stabiliser le pied. Vu que ben, la perceuse à colonne est plutôt haute, c'est important d'avoir une base stable. En tout cas, je suis très satisfait du résultat puisqu'il est pile poil à la bonne hauteur et ça m'a coûté... Ben, ça m'a coûté quasiment zéro. Ça m'a coûté un petit peu de colle, des restes de bois que j'avais à droite à gauche. Ça m'a coûté, bon,
plein de vis, je trouve que le résultat est plutôt cool. Alors, la première chose, et qui est super intéressante, c'est qu'avec la scie circulaire, j'ai pu faire une série de coupes qui étaient exactement tous à la même taille. Et ça, c'est vachement intéressant. Ce qui fait que ma construction, globalement, est un peu moins foireuse que les autres constructions que j'ai faites. Je suis encore en train de prendre la main sur cet outil, je maîtrise pas tout à 100%, mais ça commence à aller un petit peu mieux. En tout cas, moi, mon pied de perceuse à colonne, il me va complètement. Il est pas super beau, il y a plein de vis partout, mais on s'en fout. Et il est stable, il est à la bonne taille, et c'est tout ce que je lui demande. Donc pour moi, c'est un win. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas, vous connaissez la procédure, email, Twitter, Facebook, Instagram, bien sûr tu laisses des commentaires et tu t'abonnes. Une construction pas très longue puisque globalement ça a duré à peu près 2 heures. Et ça m'a permis de mettre ma perceuse à colonne à sa nouvelle place et de pouvoir dans un futur proche l'utiliser puisque j'ai prévu un épisode de la grotte du barbu où je vais utiliser ma perceuse à colonne. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire ce pied. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.